Salut, salut les boss, salut les amis. Alors je ris parce que, tout simplement parce que je suis bien là, voilà, tranquille avec vous. Tout ça suit son petit bonhomme de chemin, mine de rien. Et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, les amis. Et j'espère que c'est la même pour vous, parce que c'est important de bien se sentir, malgré toutes les petites embûches qu'on nous sème à droite à gauche, que l'État nous sème, on va s'en sortir. Suffit d'y croire. Salut l'ami. 22 degrés, meilleure température possible. C'est impeccable me concernant pour faire la moto. Pas trop chaud, c'est bien, c'est idéal. Tu roules, tu as de l'air et tu t'arrêtes, voilà, tu crèves pas abominablement de chaud. Alors aujourd'hui on va prendre par la route. Pas envie de prendre l'autoroute, surtout en ce moment. Salut l'ami. S'arrête le bus. Ouais, s'arrête. Et bah tu sais quoi, regarde bien. Hop là, merci le bus. Allez, aujourd'hui on va faire une petite balade en after work, comme je vous ai déjà habitué. Je vais en profiter pour vous demander tout de suite, avant que la vidéo commence, vraiment, eh bien un petit pouce bleu, on s'abonne pour celles et ceux pour qui ce n'est pas encore fait. Vous n'avez jusqu'à cliquer sur le petit bouton subscribe en bas à droite. Ouais, alors là je vois... J'aime pas cette distance de sécurité là, cette non-distance de sécurité que je suis en train de m'imposer. Le problème c'est que c'est 80 et voilà, vous pouvez voir, on est à 50. Alors pourquoi il roule à 50, je ne sais pas. Peut-être a-t-il un problème, ce monsieur ou cette dame, non ce monsieur je pense. Voilà, ça va déjà trop vite, on est en pente, vous voyez, donc ça freine. On va encore trop vite. Et là de 80, vous voyez le panneau, on va passer à 70. Mais 70, il est à 50, ça va déjà trop vite. Donc allez, on freine. Là ça devient des spasmes, hein, ce tarif-là. Ou alors c'est un problème de phare, je sais pas. Mais monsieur, il y a une crise, je sais pas, une crise de tétanie au niveau de son pied, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais là, c'est, ça devient quand même assez burlesque. C'est la fanfaronnade du pied gauche. Ouais, ça, vous voyez, ça va déjà trop vite, hein, ça est malheureux de voir ça. Ah, clignotant. Alors attention, est-ce que c'est pas un spasme du bras gauche, de la main gauche? Et non. Bon. Je respecte. Chacun va à son rythme, mais bon. Faut faire très attention à ces personnes-là aussi. Oh, regardez! Oh, magnifique! Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Waouh! On est bien, les amis. On est bien. Petite décélération, voilà, je tire juste sur la petite manette. Alors on va respecter les vitesses. Ça n'a aucun intérêt de faire ça, juste l'intérêt de faire son malin en fait, dire vous voyez, j'ai lâché le guidon, ouais c'est cool. Voilà, je cruise vraiment tranquillement. Salut tracteur, il est gros lui, hein. Salut l'ami. Un joli V, ça. Ça, j'aime bien, ça. Et c'est pas un stop. C'est des passages. Certains ont tendance à confondre les deux. Allez, on va prendre un petit peu de chemin. Petite balade pour rentrer toujours. Les enduros. Allez. On m'a dit la dernière fois que des chemins comme ça, on pouvait les emprunter en roadster. Alors oui. Par contre, vu la grosseur des caillasses, le roadster, il y a intérêt d'être protégé quand même. Hein. Parce que sinon, il passera une fois, deux fois, mais ce sera tout. Hein. Bonjour. Comme d'hab, on se méfie toujours. Parce que c'est un chemin, je le répète, je ne suis pas prioritaire. Ils ont rajouté de la caillasse a priori ici. Hein. On n'arrive pas trop lentement, sinon c'est là où c'est la chute. Ouais, et beaucoup plus accidenté que la dernière fois. Laisse la tête. Il y a un caillasse qui vient de taper dans le sabot moteur. Vous voyez ça en roadster, eh ben, ça pardonne pas. Tu lui mets un petit sabot qui va bien, et dans ce cas là je suis d'accord, courageux c'est bien. Bonjour.
Ouais. Attention, c'est un peu gras ici. Voilà. C'est rigolo. On amortit avec les pieds. Ah, un petit lapin. Donc là, je prends large. Ah, ça claque, hein. Les caillasses. Il y en a énormément ici. Sympa cet arbre. Je vais reprendre une petite photo, je sais pas où encore. Voilà. Hey, t'es gourmande ici. Vous avez vu la moto? Eh bien, regardez à mon arrivée, ce qui s'est rapproché de la barrière. Elles ont reconnu leur grand-tante, la même tête. Salut, toi, c'est Marguerite, toi, c'est Lola. Je ne sais pas pourquoi Lola. Oh là là. Salut les vaches. Bye bye. Toi, t'as un air méchant. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Ouais, mais regarde pas comme ça. Attention, hein. À la prochaine. Oui, je sais, je vais te manquer. Mais je reviendrai. I'll be back. Vraiment paisible, vraiment tranquille ce coin. J'aime bien. Je n'entends rien du tout. On est vraiment au calme. J'ai pas besoin de plus, hein, finalement. Salut. Elle me regarde un peu pour pitié, sérieusement. Salut. Je fais des V aux vaches, moi. Allez, on décolle. C'est reparti. Branche. Branche. Eh, aujourd'hui, on évite les branches et les grosses. Wouh. C'est-il pas beau, les amis? C'est-il pas beau? Seul danger, ce sont les branches. Ouh. Allez, on va prendre la petite là. Toujours fi- alors là, c'est là où il faut garder les gaz, hein, surtout. Voilà. Alors rien d'exceptionnel, mais ça commence à venir. C'est vraiment une petite balade bucolique à la découverte. Bon, allez, c'est parti pour le Paris-Roubaix. C'est un peu le même style que la dernière fois, avec les gros ventilateurs là. Vous voyez, moi j'ai pas besoin de plus, enfin si, j'aimerais bien me risquer un petit peu plus, dans la limite du raisonnable, mais voilà, ça déjà, ça me comble. Vous voyez, c'est pas d'exploit sportif que je recherche, c'est vraiment me retrouver tranquillement dans les champs, et plus tard, à force d'entraînement, pouvoir aussi me dénicher des bons petits spots sur mes lieux de villégiature. Alors, bon, on va reprendre à droite. Je ne vais pas chercher à comprendre. Vous voyez, je préférais encore les pavés juste avant. Ah, les amis, les amis, les amis. Tout en restant concentré, c'est le pur kiff. Je vais éviter de crier parce que le micro est près de ma bouche, mais c'est vraiment pur kiff, les amis. Vraiment, vraiment. Passer la troisième en étant debout. Ah, beaucoup de vent ici encore. Hein. Waouh, ça souffle. Sur une balade, je suis arrivé d'en face. D'accord, je reconnais très bien. Allez. C'était pour partager avec vous. En musique, tranquillement, vous avez vu. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Oh. Elle m'a fait sursauter le chien, là. Un petit roquet, là. Vous imaginez le fait divers, un motard perd le contrôle à cause d'un petit rouquet là, de 8 cm de haut qui aboie. Ça le fait pas quand même. Bon les amis, voilà, petite vidéo tranquille, chill, en after work. N'hésitez pas à me laisser le petit commentaire qui va bien, hein. Et puis vous allez me laisser colibri en mots, voilà, parce que j'ai hâte de voir un oiseau. Je me dis pourquoi pas le colibri. Moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien, prenez le soleil, faites de la moto. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye 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 les amis, ciao ciao ciao.